Lorsque le soleil d'hiver inonde les rues de ses lumières, Yushanjian Yusuyin ouvre son magasin. Ce beau métier se pratique pour la décoration architecturale et des objets du quotidien. En 1987, Yushanjian Yusuyin n'avait que 13 ans lorsque son père est décédé. En tant qu'unique garçon de la famille, il a repris le flambeau et en est devenu le pilier. En 2010, l'État a investi près d'1 milliard d'euros pour la rénovation de l'ancienne cité de Kashgar, accompagnée d'un plan de développement touristique. L'autorité locale l'a encouragé à développer son artisanat avec audace et innovation. Un prêt sans intérêt de 10 000 euros lui a été attribué pour agrandir sa petite boutique, passant de 20 à 120 mètres carrés. Çoqam menen dokonunga bir mozi detlam körünüşke boladı. Böyle üze körep sürat, hatır suratlarga tüşüdü dokonga çir. Ve men yazgan konuner benden körep huzurlandı. Ula huzurlansa men me hodı hoş olup gittim de üzem. Ula kilip huzurlandın ken, men me tekim ilgam kilip işlerimle tekimi yakşı kıysam boladı ki. Son atelier vente est aujourd'hui un lieu incontournable de Kashgar, tant pour les touristes que pour les autochtones. Au coucher du soleil, Kashgar présente son aspect le plus exotique et mystérieux. Son fils profite d'une belle lumière pour prendre des photos destinées aux réseaux sociaux. Yaxşı qəssən.